vous poser. Sérieux, je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui. Puis il y a une question qui vient de me passer par la tête et je voudrais vous la poser. Qui croit encore à cette histoire de confinement? Oui, parce que... Alors, je vous explique pourquoi je vous pose cette question. Parce que ça fait 15 jours. Ça fera 15 jours demain que je suis en confinement. Ouais, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Comme tout le monde, enfin, comme une grande partie. Ok, la seule fois où je suis sortie, ça a été pour aller faire ma vidéo en forêt qui se trouve là. Vous voyez derrière là, voilà, elle se trouve là. Donc, 100 mètres. Et à part... des oiseaux, à part la verdure, j'ai rien rencontré d'autre. Donc, peu de chance d'attraper quoi que ce soit. Néanmoins, mon mari va faire des courses et il se retrouve donc dans des supermarchés. Alors, il va faire des courses. Il se trouve dans un supermarché, il va faire des courses une fois par semaine, il se retrouve dans un supermarché et il va travailler. Enfin, il allait travailler. Beaucoup moins, hein, parce que quand même, 2 jours par semaine, hein, parce que confinement oblige. Voilà. Mais moi, je suis en confinement, je me protège. Mais lui, qu'est-ce qui le protège, lui? Et... est-ce que c'est cette petite feuille, cette petite autorisation qui fait qu'il va être protégé du virus? Est-ce que c'est cette petite autorisation qu'on lui donne pour aller travailler? Parce qu'il faut quand même bien faire continuer à tourner le système, même si, il n'en a plus pour longtemps, il faut quand même lui donner encore un peu de vie. Qu'est-ce qui le protège, lui? Qu'est-ce qui empêche... le virus de venir à la maison, de contaminer ceux qui sont à la maison, même s'ils sont confinés. Qu'est-ce qui le protège? Alors moi, je vous pose la question, c'est quoi cette histoire de confinement? Même si j'y vois comme un... je vois ça comme un repos nécessaire, plus que nécessaire même, pour... la planète et pour chacun d'entre nous au final, parce qu'on avait besoin, urgemment de prendre soin de nous, de prendre soin de notre bien-être, de nous quoi, tout simplement. Au sens social et au sens sanitaire, quelle est la plus-value de ce confinement? Je sais pas, parce que soit on est confiné et là on sort plus de chez soi, on se fait livrer avec les courses via les drives et tout ça qui sont toujours en actualité. On se fait on reste chez soi, on bouge pas, voilà. Soit finalement le confinement depuis 15 jours, à part pour le bien de la planète, nous, c'est juste n'importe quoi. Bah, c'est juste n'importe quoi. Personne n'a été testé, personne n'a été dépisté, personne n'a eu de test. Enfin, je me répète, c'est vrai, mais ça me semble ahurissant. Et comment, alors, où, quand, comment prend vraiment acte ce confinement? À quel moment exactement peut-on se dire que grâce au confinement, le virus ne sera pas
propager. À quel moment? Étant donné que on peut sortir que si on a ce papier et que le papier nous protège de quoi au final? Pourquoi ce papier? Il nous protège de quoi? Parce que si déjà le papier peut être lui-même porteur du virus puisque il est touché par des autorités, quand il le regarde, il est touché par les autorités. Les autorités ont ou pas des gants qui sont ou pas contaminés, qui vont ou pas contaminer le papier que vous leur montrez. Et ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Après, vous allez en course. Admettons, vous allez en course. J'aimerais bien savoir, quand vous allez en course dans les grands supermarchés, j'aimerais bien savoir à quel moment on respecte un mètre de séparation entre tous ces gens qui font les courses en même temps. Ou à quel moment on a ce mètre de séparation. Bon, ceux qui sont devant, il y a le caddie. D'accord. Mais ceux qui sont sur le côté, à quel moment? Quel moment? Pas? Aucun. Aucun. Alors, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je ne veux pas, en aucun cas, je ne conteste les bienfaits de ce confinement. En aucun cas. Bien au contraire. Sauf que c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment une histoire de peur qu'on veut nous infliger. On veut qu'on ait peur. Hein? On veut qu'on ait peur. Et de ce fait, comme on sait tous maintenant, la peur diminue nos défenses immunitaires. Et donc, quand tu as une personne, juste une personne, qui est obligé soit d'aller travailler, soit d'aller en course, déjà cette personne, elle est en danger. Et du coup, elle met les personnes qui sont en confinement chez elle en danger aussi. Si je m'en tiens à ce que disent les journaux, bien sûr, hein, c'est pas du tout mon opinion ni mon avis. Je voulais juste vous demander combien de temps vous allez encore croire ce qu'on vous dit à la télé? Combien de temps vous allez encore croire ce qu'on vous dit dans les journaux? Combien de temps vous allez encore croire à cette peur qu'on veut à tout prix que vous ayez, hein, en vous annonçant le nombre de morts, mais non pas ceux qui sont en vie? Bah oui, parce que il y a des gens qui sont en vie, hein, pas croire, hein, il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes, mais il y a quand même une grande partie qui est en vie. Il y a beaucoup de gens qui ont attrapé ce virus, mais qui n'ont rien déclaré du tout. Il y a des porteurs sains. Il y a des gens qui n'auront jamais rien dans leur vie. C'est un système de peur. Ce confinement n'est fait que pour que vous ayez peur. Parce qu'à ce moment-là, hein, prenons les extrêmes, puisque c'est tellement. Je suis en confinement chez moi avec mes enfants et mon mari. Mon mari va en course. Mon mari va travailler. Donc du coup, on fait chambre à part. Histoire que moi, mon confinement ne soit pas interféré par ses sorties. Hein. On fait chambre à part pendant 15 jours. Pas pendant 15 jours, hein. À partir du moment où lui s'arrêtera complètement de sortir. Donc on fait chambre à part. Voilà. Bien. À un moment donné, il faut quand même aller manger. Donc soit on se fait livrer, soit on va en course. Ouais. Rebelote. Donc toutes les semaines, on repart pour 15 jours de confinement séparés. Et tout ça pendant...
Un temps indéfini. Bah oui, parce que à chaque fois, il faut reporter de 15 jours. À chaque fois qu'on sort, on reporte de 15 jours le confinement. Dans la logique des choses. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, on vit dans la même maison, mais on n'a plus de contact ni avec son mari, ni avec ses enfants. Et ça va nous mener où, cette histoire? Je sais pas. Alors, je me pose la question, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez encore réellement? Est-ce que dans votre tête, dans votre cœur, est-ce que vous croyez encore vraiment, réellement, que ce confinement est là juste pour le virus? Je vous demande. Ceux qui ont peur parce qu'ils ont peur d'attraper le virus. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai rigolé parce que ça va. Quand j'ai fait ma vidéo sur la forêt, hein, où j'y étais, très bien, je suis passée à la boulangerie. Ouais, je suis passée à la boulangerie chercher du pain. Bon, il n'y avait pas grand monde, hein, on était 2-3. Alors, il y avait le boulanger qui était là en train de mettre du scotch par terre pour mettre, vous savez, les 1 mètre d'écart entre chaque personne. Il rigolait. Puis j'ai rencontré une personne, elle m'a dit non, mes enfants, ils restent à la maison. Ils sortent pas, hors de question. Ils ont une terrasse, ils en profitent. J'ai trop peur. Alors, moi je lui ai dit, mais bon. T'es venu en course là? Ah ouais. Hey, t'es venu en course. Alors elle laisse les enfants à la maison confinés, puis elle est venue en course. Ce qui fait que elle a potentiellement des chances d'être contaminée. Elle n'a pas besoin de toucher qui que ce soit, hein. Juste toucher un article. Pas grand chose, hein. Un article. Une pièce de monnaie. Un billet. Elle a potentiellement des chances d'être contaminée. Du coup, elle va contaminer toute la famille qui est à la maison en confinement. Pas bon ça? Alors, c'est pas pour... n'y voyez absolument aucune forme ni de jugement, ni de méchanceté, ni de... comment dirais-je, de moquerie. C'est pas le cas. C'est juste pour vous donner des exemples simples et pour vous faire comprendre que derrière ce confinement qui est utile, nécessaire, ce confinement n'est pas seulement dû au virus. Ouvrez les yeux, il n'est pas seulement dû au virus. Il y a autre chose derrière. Autre chose qui se joue pour nous, en notre faveur, pour notre bien-être. Mais, le système étant ce qu'il est, il joue sur la peur, il joue sur notre mental, sur notre façon de penser, de façon à ce que nous, pauvres esclaves, pauvres moutons, pauvres imbéciles que nous sommes, ben on ait peur. On ait peur. De façon à ce que ils puissent emmener avec eux le plus de monde possible. C'est le but. C'est le but. Puisqu'ils veulent faire disparaître les 3/4 de la population. Donc voilà, ils voulaient se servir de ce virus comme une étape vers leur agenda.
Sauf qu'heureusement, il y a des gens qui ouvrent les yeux et qui se disent que c'est vraiment n'importe quoi. Alors non, je ne vous dis pas de faire de la désobéissance et d'aller à tout va dans les rues ou de... Non, parce qu'on en a besoin et que la terre elle-même en a besoin et qu'il va falloir un petit moment pour que tout se remette en marche et tout se remette en ordre et que tout aille bien. Ma question du début était, à quel moment exactement peut-on dire que démarre le confinement? À quel moment? Parce que avec tous les va-et-vient dans une maison, le confinement, avoir être confiné, ça sert à rien. Sérieux, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais, alors, premièrement, je vous laisse libre à vous, chacun, de vous poser la question, de vous dire si j'ai raison ou tort, et surtout de profiter de ce cadeau qu'est le confinement, non pas pour vous protéger du virus, parce qu'au final, ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien, strictement à rien, mais pour faire une pause, vous poser, réfléchir à tout ça, réfléchir à ce que, à la façon que ça tourne autour de vous. Les gens, d'un balcon à l'autre, ils n'osent même pas se dire bonjour, hein, tellement ils ont peur d'attraper quoi que ce soit. Non, on ne dit plus bonjour. On ne dit plus bonjour. Pourquoi faire? Ah, des fois que. Sur 500 mètres d'écart, on ne sait jamais. Oh là. Puis bientôt, peut-être bien que le virus va passer par le téléphone, et puis par Internet, et puis on n'aura même plus le droit de faire des vidéos, parce que vous comprenez, des fois que le virus passe par les vidéos, ça va être catastrophique. Voilà, donc je me pose la question, à quel moment exactement prend effet le confinement? Parce que déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Non, parce qu'on nous le retarde... Tous les 15 jours, on nous le retarde de 15 jours. C'est hallucinant. Mais comme me dit très bien quelqu'un que je connais, tu comprends, on ne peut pas dire aux gens vous allez être resté 2 ou 3 mois chez vous ou un temps indéfini dont on ne connaît pas encore la date. Voilà. Tu comprendrais bien qu'il y aurait des pétages de plomb, déjà qu'il y en a. Déjà que les gens deviennent complètement. Ouais. Pour information, si vous habitez dans le même immeuble qu'un docteur, une infirmière ou une aide-soignante ou un truc comme ça, les gens sont très... ils veulent bien les applaudir hein, de leur balcon. Mais il ne faut pas qu'ils soient dans le même bâtiment qu'eux, hein, parce que non, là, c'est pas bon, là, c'est... Non. Des fois que ces gens-là amèneraient le virus dans l'immeuble, vous comprenez, ça serait bête. Ouais. Sauf que le virus, il a besoin de ces gens-là hein, pour venir taper chez vous. Hein. Il suffit que vous descendiez chercher du pain. Hein. À moins que ces gens-là soient complètement confinés, complètement. Ils aient fait des grosses provisions avant. Qu'ils aient l'appartement rempli de conserves, de papier toilette, d'eau, etc. Qu'ils ne bougent plus. Mais plus du tout. Chose qui me paraît invraisemblable quand même. Hein? Je sais pas pour vous, mais moi, ça me paraît invraisemblable. Alors, moi, j'ai envie de dire à tous ces gens hein, qui se disent que, oh là là, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui travaille à l'hôpital, qui habite dans le même immeuble que vous, dans la même résidence, ou un truc comme ça, de partir. Parce que c'est ce que j'ai vu passer sur Facebook et ça m'a... Ça m'a... Je sais pas, il y a plusieurs sensations, plusieurs émotions qui sont montées d'un coup. Et plusieurs jugements auxquels je ne me lancerai pas. Mais ces gens-là, au lieu de dire aux travailleurs, aux travailleurs hospitaliers, hein, tous les médecins, aides-soignantes et tout, de dégager,
dégager de l'immeuble le temps du confinement, dégager le temps qu'il y a le virus, au lieu de dire ça, bah, il ferait mieux de les contacter, ces gens-là, leur dire comment? Comment peut-on vous aider? Hein? Ça serait plus humain, je pense. Hein? Ça serait plus sympa. Hein? Parce que les gens de l'hôpital et tout, bah, on leur a enlevé tous les moyens de se défendre. Ouais, tous les moyens. Alors, on avait des masques en France, on avait tout en France. Les respirateurs, on avait tout, on avait tout, on avait tout. D'ailleurs, la France était considérée comme l'un des pays où la santé était le mieux préservée. Hein. Bah ouais, mais ça allait trop bien. Donc du coup, on a tout fermé, on a tout mis sous scellé, on a tout clôturé. Et on a tout envoyé à d'autres pays. Et du coup, nous, on est obligés de commander à des pays étrangers. C'est la logique française actuelle. Voilà, c'est le système. C'est comme ça. Les gens ont peur. La peur rend parfois bête, méchant. Personnel, sans empathie, rien. La peur enlève tous les sentiments positifs. Tous. Tous. Alors, moi je veux bien le confinement. Je dis, ça fait 15 jours que je suis sous confinement. Mais qui, à mon sens, ne sert à rien. Puisque, bah, on est obligé de sortir quand même. Ne serait-ce que pour aller chercher à manger, ou ne serait-ce que pour aller chercher le pain, pour se nourrir, tout simplement, ben, on est obligé de sortir. Donc, le confinement, ben, il ne sert pas à grand-chose, à mon avis. D'où ma question du début de la vidéo. Donc, si vous avez des réponses, n'hésitez pas, hein, à les poser, à les mettre en dessous. Toujours bien de savoir si on partage ou pas la même opinion. Mais... je suis toujours persuadée, convaincue que malgré toutes ces fanfaronnades autour du virus, toutes ces bêtises que l'on peut entendre, voir et écouter à droite et à gauche, je pense que ce confinement, on en avait tous besoin. On en a tous besoin. Mais le vivre, non pas dans la peur, mais dans la paix. De vivre dans la paix. Dans la paix et dans l'espoir de jours meilleurs, dans l'espoir d'une vie meilleure, dans l'espoir de plus d'équité, dans l'espoir de plus d'amour, de plus de santé, de plus de paix, de plus de bonheur. Voilà. Voilà comment je vois, moi, ce confinement. Et non pas pour une protection de quelque virus que ce soit, car il ne protège absolument de rien. Il ne protège absolument de rien. C'est juste le revers de la médaille.